Hey, salut tout le monde, c'est Diablo. On enchaîne avec l'émission numéro 3 de la GLA. C'est y part, on perd pas de temps. Nos agents ont recruté des sympathisants à Astana. Des civils prêts à se soulever contre les agresseurs américains et chinois. Des manifestants harcèleront l'ennemi. Pendant qu'Astana sera à feu et à sang, nos hommes pilleront pour se réapprovisionner. À toutes les unités, convergées vers le centre ville. 51-50 en cours dans l'ancien siège du gouvernement. Ouais, j'y vais tout de suite. Pillard sur la route de Xian, près du quartier des Bancs. La 7ème rue est bouchée, va falloir que je fasse le tour. La foule s'approche du centre ville. On tous ici, 4-1. Unité 4-1, demande renfort pour le quartier chaud. Au coup de fumée, ça va fondre du temps. C'est une véritable émeute ici. Appelez la police en ville. L'aéroport est encore calme. Les gardes américains ne communiquent pas. Ouais, on est parti. Nous avons poussé la population à faire des émeutes, manipuler les émeutiers pour récupérer du ravitaillement et chasser Américains et Chinois de cette région. Récupérer 40 000 dollars en détruisant la ville et en pillant les ruines. Voilà, on va déverrouiller une belle unité, donc les émeutiers. Souvenez-vous de la mission numéro 5 de Chine. Du stade, il y a pas mal d'émeutiers qui arrêtaient pas de venir sur notre petit campement en détruisant les véhicules de police, on gagne là-dessus. Voilà, déjà on va commencer à faire notre petite base histoire d'avoir des renforts, enfin des véhicules. Donc là on déverrouille aussi le lanceur de Scott et la thune. Je vais débrouiller la thune et les jeeps au niveau 1, même si je pense pas en faire beaucoup. Déjà, hop, on va raser un petit peu aux alentours. Ah, je vais pas détruire ces véhicules là. Ok, c'est bien, là, c'est la thune qui arrive toute seule. L'hôpital, on peut pas le détruire, on peut le capturer. Ça permettra de faire soigner. Les unités à pied. 40 000 dollars seront bien utiles à notre cause. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'Américains. En fait, c'est contre les Américains encore. Hein, qu'est-ce que vous me voulez pour cette mission? Donc, c'est du boulot. Je peux pas ici. Donc, nouveau bâtiment, le palais. Ça va permettre d'obtenir des nouvelles technologies pour la GLA et déverrouiller, donc débloquer aussi des nouvelles unités. Hop. Bon, il faut m'avancer parce que là il y a un pont de l'autre côté, il y a la base des Américains. Je crois qu'il y a même les Chinois, les Américains et les Chinois. Donc, pour l'instant, il vaut mieux se concentrer sur la ville, tant qu'ils ne nous attaquent pas. Récupérer un petit peu notre thune. Donc là, nouvelles unités disponibles également. Donc les terroristes, donc unités suicidaires, ils peuvent prendre le contrôle de véhicules. Germenkel, donc là c'est une unité spéciale, comme le TUS noir pour la Chine. Donc là, il permet à la fois de sniper les soldats ennemis, ils peuvent tuer aussi l'équipage d'un véhicule, donc on peut capturer un véhicule. Voilà. Et il se camoufle hein, comme Jarman Ken et Colonel Norton, que je vous montrerai quand on fera les Américains. Bravo. Nous sommes à mi-chemin de l'objectif. Il n'a pas atteint les 40 000, ce sera pas ça de bloquer le script suivant. Son boss, il a fait un peu. Il a
vous vous en tirez bien. Vous défense. Devez réserver une partie de cet argent à la cause. Je peux pas ici. Un guerrier est tombé. Les Américains, pareil, ils ont des nouveaux tanks. Ah. T'es furtive. Ah merde, là. C'est ça. Un guerrier est tombé. Charlotte, le chien. Ça va, du métier, ça fait pas mal de dégâts. Ah ouais, ok, il nous a tapissé de. On ne peut pas vivre en paix. Hop, des minages. J'espère que j'aurai de la chance. Ah, d'accord. Nous a balancé je des vais mines. Travailler. C'est vrai que la Chine a la capacité de nous balancer des mines. Bien, un avion. Donc là, on va faire le palais. Donc, voilà, petit tips aussi. Hop, on peut construire par-dessus les ruines. Je ferai du mieux que je peux. Ça nettoie la zone. Je vais faire le palais pour avoir de nouveau les émeutes. Les Américains tentent de réprimer les émeutes. Détruisez leur base d'opération située sur l'aéroport pour les forcer à faire retraite. Voilà, il y a les Américains, il y a aussi les Chinois. Les Chinois, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils envoient des chars dragons. Ils envoient des fusils par rapport à les émeutes. Quelques rebelles pour capturer le. J'obéirai. L'hôpital, on va faire. Je vais tâcher de faire vite. Ah, d'accord, je vais travailler. Si c'est ce que vous voulez. Petit tunnel, pour l'instant on a toujours pas les Stinger comme défense, c'est pas bien grave. Donc là, on a enfin le tracteur bactériologique, on a les buggies. Lui qui lance roquette, donc très très vulnérable, mais amélioration, pas mal de dégâts terminé. À distance. Et le mobile lance mobile scut. C'était un sacré boulot. Et bon, pour cette mission là, je vais pas trop l'utiliser. Canon prêt. Je vais y aller. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais y aller. De faire. Défense. Oui. Ah, et aussi petite particularité. Dans le palais, on peut mettre en garnison des unités. Lance-missile installé, général. Pour qu'elle tire. Donc je peux mettre 5 lance-missiles. Ça fait une défense en plus. Donc là, les améliorations pour l'instant, on a que on a fait notre boulot. Les AK-47 pour les émeutiers et mettre des obus chimiques sur les chars tanks. Voilà, pour l'instant, on sait pas. On va se débrouiller. On va faire les émettiers en plus. J'amène Ken. Attention à vos dépenses. Le grand économisez pour accomplir votre mission. Moi, faut pas m'aider. Voilà. Tous ces métiers pour les faire automatiquement. Ça met plus de temps. Ouais. Moi, faut pas m'aider. On a la possibilité d'améliorer mes véhicules avec les pièces détachées. J'ai pas la patience pour ça. Je vais y aller. Lancer la machine. Ah là, il y a des bâtiments en garnison de Chine, donc il va falloir utiliser des tracteurs pour les déloger. Hop, on va faire quelques-uns. Et on va faire également des buggies. Après, à la limite, ouais, je peux quand même débloquer le lanceur mobile hein, pour détruire les bâtiments aussi, ça peut être intéressant. Ça sort du labo. Surtout qu'on peut switcher entre un missile de toxine et un missile de C4. On va faire aussi les obus. Qu'est-ce que vous me voulez? Il y a des gens qui ont fait attaque, mais là j'ai pas trop de crainte. Hein. Ah, c'est place. Alors, c'est simple ici. Au début. Ah, on a qu'à la mission numéro 5 hein, pour l'instant. Wow. J'ai pas la patience pour ça. C'est pratiquement la moitié des missions. Voilà. Ça va, la GA c'est assez simple à part pour la Chine. Les unités sont très peu douteuses. Ah, on a encore foutu des unités en garnison. C'est ma recette spéciale. Ah, bon, wow. On va voir ça un peu. Mais je pense que je vais plutôt attaquer ça avec des. Soit des buggies, soit des lance-missiles, parce que en fait les réacteurs sont assez. Pas une grande rang. Ça va, t'as pas de missiles, parce que normalement les missiles atteignent plus vite les.
vous voulez en essayer? On a pas de missile en fait, il n'y a pas de lance-missile. Réservoir plein. Que des soldats. Venez plus près. Venez tout près. Pardonnez le désordre. Monsieur, je gagne la thune. La version que j'ai fait. Une étoile en plus. Non. Ah, là il y a le collecteur. Ah bah ok, à sa base. Il y a un bunker. En plus, il est en garnison vu qu'on voit les sacs. Parce que quand il est vide, il n'y a pas les sacs autour en fait. Ça, c'est une petite, petite indice visuel. Moi, faut pas m'énerver. Félicitations, général. Je vais y aller. Vous avez pris du galant. Okay, on va peut-être s'occuper déjà des mecs. Hein. Un guerrier est tombé. C'est bon. Allez. Oui, compris. Donc là, les chars paladins, la macarne. Puissant des chars plus adeurs. Je me dépêche. Et ils ont aussi un laser qui permet de désactiver une fois sur deux les missiles. Donc on va continuer un petit peu à nettoyer la ville. Ah, je peux me mettre en garnison dessus là. Ah, ok, je peux. Ouais, j'ai sélectionné Germaine Kane aussi, c'est pour ça. Je lui peux pas attaquer directement. Je suis sniper. Hop, allez. Moi, faut pas m'énerver. Je vais y aller. Un guerrier est tombé. Nishima. Attaque, tank. J'ai pas encore de tank. Faut que j'en refasse. Hop, j'ai aussi fait des buggy en cas où. Ah puis oui, aussi j'ai débloqué le. Hop, l'amélioration. Hop, j'en ai chopé un là. Oui. Trois, là. Il faut vraiment aller si loin. Y'a pas de meilleurs outils. Choper ce dépôt là au cas où. Bon, les Chinois, ouais, limite, je vais peut-être attaquer ici. Hein, sur le champ. Je vais au niveau de sa base. Hop, un guerrier est tombé. Je vais faire quoi. Continuez à me céder. L'objectif est proche. Un guerrier est tombé. Ça va. Avec le bon émeutier, vous voyez le dégât. Et après, une grenade flash, un coup de char dragon ou des trucs toxiques, ça les récupère. Ils sont assez sensibles aux attaques. Un guerrier est tombé. C'est pas le cœur. Même les chars, ça fait pas trop. Bon, une des unités fortes de la GLA. J'ai entendu. Je rejoins la position. Un guerrier est tombé. Encore quelques dollars et vous aurez rempli votre mission. J'avais dit que je voulais couper des mecs, hein, mais au final, je peux juste focaliser sur les chiens. Bon, là-bas, le village, on va en venir. Encore cette zone. Un canon plein. Une volonté de faire. Les routes sont à l'oeuvre. En termes d'unité, on va faire 2-3 scuts aussi. On va. Hop, continuez les scorpions. Puis, nous avons touches, presque atteint l'objectif. Ne dépensez pas. Ah, ouais. Ouais, on avance tout ça. Qui est là. Donc là, la Chine. Et les Américains sont plus par là, je crois. Parce que là, y a rien là. C'est pas une énorme range les soldats avec les mitrailleuses par rapport au lance-missile, donc on peut attaquer les bâtiments sans être touché. Par contre, ça commence à partir un peu en couille.
Ah, il y a aussi des bâtiments ennemis, ont aussi des caisses. Bah, là j'ai fini, je suis à 40 000. Ah, j'ai aussi des bâtiments ennemis. 40 000.